Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour l'unboxing de la box beauté Blissim du mois de décembre. Avant de l'ouvrir, je vous rappelle qu'il y a un petit concours organisé pour Noël, donc vous pouvez participer, c'est jusqu'au vendredi 10 décembre. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc voilà, n'hésitez pas à participer. Alors en fait là je viens de recevoir une box Blissim, mais je vais en recevoir deux. J'ai un abonnement à la Blissim. Et également, je la reçois aussi en tant qu'ambassadrice Blissim. Donc, je ne sais pas du tout c'est laquelle que j'ai reçue. Donc, je vais ouvrir avec vous. Et puis, je pense qu'en fonction du profil beauté, on verra ce que c'est. Donc, on la reçoit ce mois-ci dans une box. Je trouve que c'est très joli à l'intérieur. D'habitude, on n'a rien du tout. Et là, on a un joli décor. Bon, là, après, niveau encre, ça ne doit pas être terrible. Elle est arrivée en Colissimo, donc celle-ci, je pense que c'est celle que j'ai reçue gratuitement. De toute façon, ou bien je vous la posterai sur Instagram, l'autre, ou bien je vous referai une vidéo. Je ne sais pas trop encore comment je ferai ça. À l'intérieur, on a directement cette espèce de petit porte-monnaie mouton un petit peu bizarre. Et le petit livret qui est en format carré. D'habitude, il n'est pas en format carré. Christmas Nights, vous avez vu l'accent, j'ai fait un effort ce coup-ci. Et on a également, je pense qu'ils ont tenu compte de nos remarques sur les fameuses enveloppes qui étaient moches comme tout. Une enveloppe comme ça, une partie de vos produits vous attend ici bien au chaud. Parce que des mois on avait une enveloppe moche, là au moins ils ont tenu compte et nous ont fait une enveloppe comme ceci. Donc je vais commencer par l'enveloppe, ce sera peut-être plus simple. Je vous attends du coup pour ouvrir. Alors, qu'est-ce que je trouve? La marque Baeja, ah super, j'aime beaucoup cette marque. Alors, je vous confirme, j'ai le petit flyer dedans qui me dit que c'est parce que je suis ambassadrice. Donc celle-ci, effectivement, normalement, elle ne respectera pas mon profil. Mais bon, je vous la filme quand même et puis je vous en ferai une autre. De la marque Baeja, Tropic Shot, exfoliant poudre, corps, café, noix de coco et huile de ricin. On a 20 grammes. De cette poudre au gommage 100% d'origine naturelle, jaillit la vitalité d'une nature exubérante, généreuse. De cet assemblage inédit de café torréfié, de pulpe et de coque de noix de coco et d'huile de ricin naît une expérience sensorielle unique dévoilant une peau incroyablement douce. Conseil d'utilisation, ce shot à usage unique s'applique une fois par semaine sur peau humide en massage circulaire. Rincez soigneusement, ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante et ne pas utiliser plus de deux fois par semaine. Donc ça doit être bien gommant. Alors, peut-être que j'ai plus d'infos dans le petit livret. Je trouve ça mignon ce petit format carré. Donc c'est vendu au prix de 5,90€ quand même ce petit format. En fait c'est le format vente. Donc je pensais que c'était juste un échantillon mais en fait c'est le format vente. Cet hiver faites le plein de vitalité. Cette poudre de gommage à 100% d'origine naturelle promet à votre peau une véritable escapade tropicale. Je pense que ça doit sentir bon effectivement. On adore sa texture poudre qui stimule la microcirculation, adoucit et nourrit la peau. Des ingrédients exotiques, de la poudre d'abricot, des graines de café, de noix de coco, de l'huile de ricin pour une expérience sensorielle et olfactive unique. Je pense que ça, je vais l'utiliser cette semaine. J'utiliserai ce week-end, comme ça quand je vous ferai la vidéo, si jamais je retombe dessus la vidéo de l'autre box, peut-être que je pourrais m'en parler, mais Baeja, en général, ça sent super bon. Donc c'est notre premier produit. Deuxième produit de la pochette, de la marque Glime. Alors Glime, c'est une super marque. On avait déjà eu un démaquillant et un... comment ça s'appelle? Un démaquillant et un nettoyant. Et là, c'est un sérum illuminateur vegan, 95% d'ingrédients d'origine naturelle, à l'acide hyaluronique et vitamine C. 25 ml. Je trouve ça horrible à lire là sur le format rose. Je trouve ça tout... ça fait mal aux yeux, ça pique. Du coup, je vais plutôt vous lire ce qu'il y a marqué sur le petit livret. C'est un format à vente, 25 ml, qui coûte 18,90€. Let it glow, let it glow, let it glow. Ce sérum illuminateur... pour tous les types de peau, va illuminer votre hiver. Sa formule green unifie le teint tout en boostant l'éclat de votre peau. Dans sa formule naturelle, de l'acide hyaluronique aux vertus hydratantes et de la vitamine C pour une mine radieuse. Elle est notée 93 sur 100 sur Yuka. Comptez sur lui pour une peau lisse, douce et tonique. La cerise sur le sérum
Il joue les gardes du corps et protège votre peau des agressions extérieures. Ça tombe bien parce que j'ai fini, quasiment fini mon sérum hydratant. Il y a de la vitamine C, mais il y a aussi de l'acide hyaluronique, donc il doit être bien hydratant. Quand vous l'ouvrez, c'est un format comme ça, c'est pas operculé. Je vais voir la texture que ça a. J'espère que c'est aqueux. Ouais, super, c'est aqueux. Vous savez, c'est les textures aqueuses comme ça, comme de l'eau. Donc c'est parfait si vous avez la peau un petit peu grasse. Et ça pénètre instantanément. Ah, c'est génial. Ah, super. Ça sent. Je ne saurais pas vous dire l'odeur. Ça sent pas mauvais, mais ça sent pas très fort. Moi, ouais, l'odeur est tout de suite partie, donc ça c'est bien. Vraiment, là c'est complètement absorbé. Là, y a aucun effet gras ni quoi que ce soit. Je trouve ça vraiment génial. Super. Trop contente. J'espère que je l'aurai aussi dans l'autre. Ça me dérange pas des fois d'avoir des doublons quand c'est des produits comme ça qui me plaisent. Pour le moment, top. Alors ensuite, de la marque Roger Gallet. C'est une marque qui est pas mal vendue, ça en parapharmacie aussi, qui coûte, je crois, assez cher quand même. Crème de parfum nourrissante Magnolia Folie. Donc nous, on a 50 ml. Le format vente est au prix de 18,10 € pour les 250 ml. Donc de toute façon, je vous mettrai comme à chaque fois au-dessus le rapport quantité-prix. Laissez-vous tenter par l'art du parfumage et de l'hydratation. Ce qu'on aime, c'est 96% d'ingrédients naturels tels que le beurre de karité. Hydrate votre peau pendant 24 heures et permettent de réparer et prévenir du dessèchement. Sans plus, sa texture onctueuse et infinie lisse sur la peau accompagnée d'une divine odeur de magnolia. Appliquez après la douche sur le corps en incitant sur les zones sensibles. Donc normal quoi. Magnolia Folie. Je vois pas du tout ce que ça peut sentir, Magnolia Folie. C'est pas operculé. Il n'y a pas d'opercule ce mois-ci. Ça m'a l'air d'être assez riche. Vous voyez, c'est assez riche, donc ça peut être pas mal. Hop. Ah, mais c'est quand même très fluide. C'est pas comme certaines crèmes qui sont dures à étaler. Là, elle s'étale très facilement. Et elle pénètre tout de suite. Elle n'est pas trop grasse. Ça sent très fort, mais ça sent bon. Plutôt fleuri. C'est si vous aimez plutôt les odeurs fleuries. Moi, je suis plutôt odeur gourmande, mais ça sent franchement super bon. Je pense que celui-là, je donnerai à ma grand-mère. Ça pourra lui faire plaisir, ce type d'odeur-là. Même si j'adore les odeurs pour le corps. Mais c'est vrai que là, j'en ai plein, donc autant en partager. Donc là, j'ai fini ce qu'il y avait dans la petite enveloppe, là. Et donc, je vais ouvrir le petit porte-monnaie. Alors, le porte-monnaie, en photo, il avait l'air bien sur le site de Bessine, je trouvais qu'il était sympa, ça faisait moumoute, mais en fait quand on le touche ça fait un peu je sais pas, ça fait un peu cheap, c'est élastique, c'est vraiment bizarre. Ouais, je sais pas comment vous le décrire. Ah, il y a marqué Bessine ici. Je vous avoue que, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, waouh, Fenty Beauty by Rihanna en lumineur libre. J'ai jamais Metal Moon. J'ai jamais eu de produit de la marque Fenty Beauty. Donc le packaging comme ça. Là j'ai pas le prix. Je peux pas vous donner le prix là maintenant parce que il est pas sur vente sur le site de Blissim, mais je vous chercherai sur internet. Il y a deux teintes possibles. Il y a Metal Moon et Trophy Wife. Et donc moi j'ai c'était marqué là. J'ai Metal Moon. Donc Metal Moon, ah c'est celui qui est un petit peu comme ceci. Ah, j'ai fait tomber la protection. Donc comme ceci. Je trouve trop beau. En décembre, c'est le moment ou jamais de briller de mille feux pour les fêtes. On adore sa texture crème poudre qui fond instantanément sur la peau et s'estompe sans effort. Utilisez-le aussi bien sur le visage que sur le décolleté pour un éclat subtil ou pour un look de soirée éclatant. Cet highlighter est né pour refléter toutes vos humeurs grâce à ses teintes lumineuses adaptées à toutes les carnations. Appliqué sur les pommettes à l'aide d'un pinceau, choisissez un pinceau épais pour sublimer les joues et fin pour illuminer discrètement nez, menton, yeux et décolleté. Je pense que lui, je vous avoue que les illuminateurs, c'est pas du tout mon truc et je pense que je vais l'offrir. Et je veux pas l'abîmer, je veux qu'il soit vraiment neuf. Donc je vais pas vous le swatcher. Mais franchement, je trouve ça vraiment. C'est le gros format, c'est le format 8 grammes. Je trouve ça vraiment fou d'avoir mis ça dans la Bissim. Ça envoie du lourd, hein. Ce mois-ci, la Bissim, je suis vraiment impressionnée.
Bon, le petit, à l'intérieur, on a le petit truc, surtout, mettez-le hors de portée des enfants, ce truc-là, parce que c'est vraiment du poison. Et le dernier produit, oh, c'est trop mignon. C'est un tout petit. C'est de la marque Garancia, j'adore cette marque. C'est un produit que j'ai jamais testé. C'est Roll-On Anti-Cerne Anti-Poche Larme de Fantôme. Larme de fantôme ou comment pleurer de joie face à ce Roll-On magique. Ce qu'il fait à 95% d'ingrédients d'origine naturelle, il réduit les poches, les cernes, les rides, comme par enchantement et stimule la micro-circulation. Son efficacité instantanée fait gagner à votre regard jusqu'à 4 heures de sommeil. Waouh, alors ça j'en ai bien besoin. Sa formule, grâce à sa composition clean, vegan et made in France, vos yeux s'illuminent jusqu'à 87% dès la première utilisation. Donc là, on a un format de 3000 litres, c'est le format miniature. Le format vente, alors attendez, le format vente, c'est 10 000 litres et ça coûte 40,90 €. Alors moi, je pense que je vais l'utiliser celui-là. Je sais pas si c'est un format Roll-On ou pas. Ouais, c'est un format bille Roll-On. Donc là, j'utilise actuellement déjà un Roll-On, donc je ne vais pas l'entamer sur tous les produits contour des yeux. Autant des fois, il y a certains produits visage, je me dis c'est pas trop grave si ça dépasse la date de péremption. Les produits contour des yeux, je ne veux vraiment pas que ça dépasse. Mais j'ai trop hâte, dès que j'ai fini mon Roll-On, je passe à celui-ci. 3 ml, franchement, ça fait quand même un sacré moment. Hein. Je pense que vous en avez pour, je dirais, 2 mois au moins. Et la petite trousse, évidemment. J'arrive même pas à la fermer. Alors, dans le guide, on a des petites précisions. Ah, on y aura une édition limitée avec Chloé B. Ouais, je suis pas sûre de la prendre, celle-là. J'ai pris l'édition limitée pour imparfaite. Puisque dedans, vous avez le masque, vous savez, qui était dans la Gloria, qui est vraiment super bien. Le nettoyant masque, qui est dans mes favoris d'ailleurs du mois de novembre. Et je l'ai prise parce qu'en fait, pour le prix du masque, vous l'avez. Donc, il est top. Voilà, puis on n'en dit pas plus dans le petit livret. Je vais juste vous lire l'édito, mais là, effectivement, on a vraiment tout ce qu'il faut pour les fêtes. Notamment l'illuminateur, le sérum pour le visage pour un bel éclat, le contour des yeux pour les regards un petit peu fatigués. Je trouve que c'est vraiment une box de fête. Plongez au cœur d'un Noël plus extraordinaire que jamais. Le mot d'ordre, après minuit, place à la magie. Vous êtes invité à la plus folle des nuits de Noël, tenue satinée, pochette de soirée, paillettes et plumes de paon exigées. On vous promet un mois encore plus fantastique qu'à l'accoutumée, qu'on compte bien célébrer en beauté cette année. Après tout, on a quelques années de fêtes à rattraper, non? Croyez-nous, la magie de Noël est loin de se terminer. Franchement, génial. Enfin, vraiment, je la trouve trop, trop belle, cette box. Je sais pas ce que vous en pensez. Le seul bémol pour moi, c'est ce petit truc-là. Mais le reste, c'est trop, trop beau. Et même si l'illuminateur, je suis pas sûre encore de le garder ou de l'offrir. Mais franchement, trop, trop, trop beau. Je suis trop contente. J'ai hâte de voir aussi ma sélection à moi, ce qu'ils vont me mettre par rapport à mon profil beauté, voir ce que ce sera. J'espère que j'aurai encore le petit Garancia parce que c'est trop beau. Et voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez eu en commentaire, s'il y a des produits que vous avez eu en commun avec moi, ce que vous avez pensé vous de cette pochette là. Peut-être que c'est juste moi qui me fait une idée un petit peu là-dessus. N'hésitez pas à participer au concours, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner si jamais c'est pas encore fait, et je vous fais des bisous.